Après sa quatrième saison, qui s'achève ce lundi 21 août sur Canal+, la série allemande Babylone Berlin sera-t-elle de retour pour un cinquième volet? Télé Loisirs vous donne la réponse. Ce lundi 21 août, Canal+ diffuse à partir de 21h10 les trois derniers épisodes de l'excellente saison 4 de Babylone Berlin, la série la plus chère de l'histoire de la télévision allemande. Cette conclusion risque de bouleverser bien des fans de cette fresque historico-policière lancée en 2017. Babylone Berlin, que raconte la quatrième saison de la série allemande la plus chère de l'histoire? Cette quatrième saison débute le soir du 31 décembre 1930. Comme le reste du monde, l'Allemagne est touchée par la terrible crise économique mondiale, plongeant des millions de personnes dans la misère, le désarroi, le ressentiment. Si est-il sur ce terreau que le nazisme empoisonne peu à peu le pays. En mission secrète d'infiltration, Gereon, Völkerbruch, vu notamment au cinéma dans le glaçant Millennium, Ce qui ne me tue pas, a intégré la terrible SA, la section d'assaut Sturmabteilung, menée par l'effrayant Walter Sten, à nos coffrets. Envoyée sur une scène de crime, Charlotte, Liv Lisa Friss, tombe par hasard sur Gereon. Elle est surprise de le voir revêtu de l'uniforme de la SA. Alors que le chaos total est sur le point d'éclater dans le pays, Gereon et Charlotte vont être poussés dans leurs extrêmes limites, dans des zones grises où les frontières entre la morale et le mal sont parfois floues. Babylone Berlin, la série allemande la plus chère de l'histoire aura-t-elle droit à une saison 5? La réponse à cette directe question est, oui, mais... Pourquoi une telle réserve? Tout simplement parce qu'un juin dernier, Sky Deutschland, à la fois producteur et premier diffuseur de Babylone Berlin, a annoncé la fermeture de son département de la fiction, mettant alors en péril l'avenir de la série. Mais très vite, les autres producteurs impliqués, ARD Digito, X-Film et Beta Film, ont tenu à rassurer les fans en annonçant qu'un cinquième chapitre était bel et bien commandé, soulignant au passage que, même si le budget de la série était important, la fin du partenariat avec Sky ne remettait pas en cause son existence. Reste désormais à savoir quand cette cinquième saison sera tournée, la production n'a pas encore démarré, et diffusée. Malgré cette mauvaise nouvelle initiale, les créateurs de la série, qui avaient toujours indiqué qu'ils souhaitaient que Babylone Berlin achève son intrigue en 1933, avec l'accession au pouvoir d'Hitler, vont donc sans doute pouvoir aller au bout de leur vision. The man I love just has